Vous allez commencer dans 5 minutes. Ça va bien, Pascal? Il semble que je suis gelée. J'ai un peu de retard. Non, j'ai pas oublié ton catalogue, il est dans la poste. Il y en a qui l'ont reçu aujourd'hui. Fait que tu devrais l'avoir sous peu. J'ai eu des petits papins avec le catalogue. Je l'ai commandé, je l'ai reçu, ma commande en anglais. Donc, j'ai appelé Stampin' Up et ils m'ont fait venir d'autres catalogues. Deuxième paquet encore en anglais. La troisième fois, c'était correct. Moi, je soupçonne que probablement ils engagent des étudiants l'été, puis c'est correct. C'est la preuve qu'ils sont humains. Pas bien grave, là, j'ai des catalogues. Puis je l'ai posté. J'étais pas capable de poster avant mardi. J'allais poster lundi, t'es tout prêt, mais j'avais oublié que lundi c'était la fête. Fait que ils ont parti mardi. Et une de mes clientes m'ont dit qu'elle l'a reçue aujourd'hui. Donc, soyez à l'affût. OK, on va commencer. Fait que tu n'as pas vu le catalogue du tout, Pascal? Voilà, j'aurais aimé ça que tu suives avec moi, mais coudonc. Ça l'est ce que c'est. Donc, on va commencer, même si on est juste nos deux, c'est pas grave, ça va donner une idée comment ça fonctionne le catalogue. Je me rappelle plus ton adresse, mais t'es pas de la région, je crois pas. Donc, quand tu vas recevoir ton catalogue, tu vas voir que premièrement, c'est sûr que tu as vu la couverture. Moi, j'adore la couverture cette année, là. Je trouve que c'est la plus belle couverture qu'ils ont jamais fait. On a plein, plein, plein d'exemples. Mais c'est qui est le fun. Là, faut que je tourne ma tête pas mal pour voir les commentaires. Fait que je vais essayer de tourner de temps en temps pour voir s'il y a des questions. Sinon, ben, je vais suivre les questions à la fin.
Ce qui est plaisant, ils ont mis tous les lots. Je crois qu'ils ont 25 lots cette année. Et ils ont mis tous les lots au début au début du catalogue. Fait que je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec le catalogue, avec Stampin' Up, mais les lots sont à 10%. Quand je parle des lots, ça veut dire que la tente est accompagnée de soit une perforatrice ou un poinçon. Donc, les lots sont à la page 3, 4 et 5. Et la page est indiquée où ce que tu vas voir le jeu de tempe en plus gros et le poinçon ou la perforatrice qui va avec. Donc, si on prend comme exemple l'eau de la bonne nouvelle, ça c'est à la page 7. Et ils disent que le jeu de tempe, que de bonnes nouvelles, poinçon, couronne et compagnie, aussi offert en anglais. Okay? Donc, si on irait à la page 7, vous allez voir, le jeu de tempe est là. Et est là, est là. OK? Donc, ça, c'est la page 3, 4 et 5. C'est toutes des lots. Ensuite de ça, on a aussi, Stampin' Up! L'ont introduit dans le catalogue annuel cette année. Et c'est les boutons Je veux tout. Il n'y a pas de bouton, mais si tu remarques, à la page 7 et plusieurs reprises dans le catalogue, on a un numéro auquel on peut commander tout ça. Okay? Au lieu de dire commande-moi le jeu de temps de Noël, puis rentrer toutes les individuellement, on en rentre seulement qu'un numéro et le tour est joué. Puis, faire attention. Il y en a des collections, c'est comme celui-là, il est 195 et 75. Pour 4 pièces et quelque chose, 4 pièces et 25 de plus, tu atteins le 200 $. Bon, à 200 $, vous avez droit des primes créatives, que c'est 10% de 200, donc vous pouvez choisir 20 pièces de matériel gratuit. Donc, c'est ça le bouton à tout. Puis aussi, les collections cette année, ils tirent sur 3 pages. Okay? On a la page où ce qui annonce la collection. On a la page avec tout là-dessus. Puis les 2 autres pages ici, on voit les papiers plus grands que jamais. Je vais me tasser parce que vous ne voyez pas, c'est sûr. Les papiers sont plus grands. Excusez, j'ai un petit grenouille dans la gorge. Et on voit les attentes. Quand on voit une attente qui est soulignée en blanc, ça veut dire que cette attente-là, il y a un découpe qui va avec. Si on retourne, voici le oiseau. OK? Et le oiseau. OK? Un cardinal, excuse-moi. Donc, ça, c'est toutes ces images-là. Il s'accompagne avec un découpe. Aussi, celui-là, je crois qu'il y a un découpe aussi. Oui, la couronne. Il n'est pas en blanc, mais il est en gris. Fait que, aussi là. Et le 10%, il est marqué là. Ensuite. Ça, ces étoiles-là, c'est les étoiles à couture, je crois qu'il y a des coutures, je ne l'ai pas. Oui, étoiles à coudre. Les poinçons qui vont avec ça, c'est des poinçons à coudre. Vous voyez ici les étoiles, puis vous voyez des petits picots ici, ça veut dire qu'ils sont à coudre. Je ne l'ai pas commandé encore, mais ils me tentent vraiment. Une autre collection cocon à carré. Encore là, cette page-là est pleine des idées. Et toutes ces pièces-là, on a les attentes, la perforatrice, le papier, un beau ruban. Je ne l'ai pas encore, je vais l'avoir juste la semaine prochaine. Des clochettes, je l'ai vu sur un autre site, des clochettes, et ils sonnent. On a déjà eu des petites clochettes, mais ça n'est pas. Donc, ceux-là sonnent. On a-tu juste encore nos deux?
d'accord, juste nous deux. Mais c'est pas grave. Oh, on a une nouvelle. Bonjour, Amélie. Donc, ensuite, encore là, les papiers. Puis ces papiers-là, ici, les papiers au carreau, les lignes ici sont en doré, sont toutes dorées. Et le poinçon, ça va couper ces arbres-là. Ici, il ne faut pas manquer les encres ici, les nouvelles encres métallisées Delicata. Delicata. On a des refils, puis je ne l'ai pas encore, c'est ma prochaine commande, mais je l'ai vu, puis paraît-il, c'est aussi beau que quelque chose d'embossé. Donc, c'est sûr que ça l'embarque. Je l'ai, cette set-là, et je le trouve magnifique. Là, ce soir, c'est, on passe le catalogue. Je ne vous le montre pas ce que j'ai puis tout ça. Si vous voudriez avoir des projets, je vais vous le montrer, mes cartes de swap tantôt. Quand j'ai dit les cartes de swap, c'est les cartes d'échange avec d'autres démonstratrices. Des cartes de Noël. Des cartes faites avec le catalogue de fête. Et ensuite de ça, si vous voulez voir puis jouer avec les trucs, vous pouvez venir à mon lancement de catalogue qui est le 14. Là, j'aimerais avoir beaucoup, beaucoup de monde parce que je trouve que c'est un des plus beaux catalogues. Donc, vous pouvez avoir toutes les informations sur ma page 4 et plus. Si vous voulez inscrire, vous pouvez m'appeler. Encore, collection de bonhommes de neige. Celui-là, je pense que je l'ai montré avec ma première déballage de précommande. Moi, en tant qu'être démo, j'étais capable de commander au début d'août. Et puis, ça, c'est sûr que ça c'est la première collection que j'ai achetée. Le bonhomme de neige, le petit poinçon, là, il découpe. On peut découper. On ne voit pas le papier. Ça voudrait à peine que j'y aille chercher une feuille, par exemple. On peut découper les petits bonhommes dans le papier design. On peut découper le bonhomme avec le punch. Et ça, je vais faire une démonstration. Le 14, comment utiliser la peinture gonflant neige décorative. On va peut-être bien faire un petit mini-boîte. C'est pas. Oui, excuse-moi. C'est pas comme l'autre qu'on avait. L'autre qu'on avait était plus gros. Celui-là mesure 1,5 pouce par 1,5 pouce carré. La fond. Fait que c'était juste assez pour mettre un petit bonbon dedans. Là, Ferrero Rocher ou des Kiss ou quelque chose de même. Ce ruban-là, il est vraiment beau. Et ça, c'est mignon. Mais ça va être une de mes démonstrations à le 14. Comment utiliser le poinçon. Comment assembler avec deux couleurs la petite boîte arrondie. Et ça, c'est le papier. Et ça, c'est les étampes. La collection, elle inclut deux jeux de temple, OK? On a celui-là de Père Noël, des bonhommes de neige et le karaté. Je peux pas vous le montrer, ce que j'ai fait dans mon infolette cette mois-ci. J'ai fait une carte avec quelque chose que vous allez voir tout à l'heure. Je pense que tu l'as vu dans mon déballage de précommande. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'orignal? Vous voyez, deux papiers ici, là. C'est ça que je vais faire une démonstration la semaine prochaine, comment le faire ça. Oui, c'est déjà la semaine prochaine, le 14. Bon, ça va vite. Ensuite, on a des petits lutins. C'est fou rire, ça. Ils sont vraiment cute. Puis ils sont en français, c'est ça que je trouve fun. La collection Vade Noël. Encore une autre collection. Vous avez des cartes souvenirs, puis si vous n'aimez pas les cartes souvenirs en anglais, on a juste ajouté nos propres
Puis de toute façon, celles qui ont participé à mon achat groupé, vous allez voir des exemples de tout ça. Vous allez voir des papiers, vous allez voir ça, vous allez voir du ruban, vous allez voir encore de tout, 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 tout. Si vous n'avez pas participé cette fois-ci, j'espère que vous allez participer la prochaine fois parce que ça vaut vraiment la peine. Encore le papier en plus gros qu'on peut voir. C'est ça que j'ai fait ma carte avec l'orignal. Et ensuite, ça c'est très beau pour celle qui veut un petit peu de quelque chose de plus religieux. Et ça, cette collection-là, je pense que ça va être une de les plus hautes cette année. Pourquoi que je pense ça? C'est parce que dans mes swaps, j'en ai plusieurs cartes qui l'ont faite avec cette collection. Donc, je vais vérifier un petit peu. Avez-vous des questions? OK. Faut être attentif à l'affût. Cette année, Stampin' Up! Quelques reprises au travers de la catalogue, ils ont mis des astuces. Comme ici, il y a une petite astuce, comment faire cette petite. Je ne sais pas comment vous l'appelez, là. Et eux autres, ils appellent ça. Ils appellent ça une petite boîte, là. Nous autres, en anglais, on appelle ça des crackers, là, mais. Je ne sais pas comment l'appeler ça en français. Fait que ça va être très gros. Encore des perforatrices qui sont très à la mode, puis pratiques parce que tu n'as pas besoin d'autres machines. Puis ça, c'est un nouveau. Après mon lancement, je vais le poster des projets que j'ai faits à mon lancement. Ça, ces papiers-là, c'est un autre, là. Puis ça, ces couleurs-là, là, ça va chercher. Dans le catalogue annuel, si on va dans le catalogue annuel, puis on va trouver les papiers de Paon Pimpant, c'est les mêmes, ça peut marier avec ça. Très joli. Encore là, n'oublie pas de checker les coins. Parce que la première fois, je n'ai pas vu le papier acétate vert mercuré, donc je ne l'avais pas commandé. Là, je l'ai reçu aujourd'hui, là, puis il est vraiment, mais vraiment hot. Ça, ici, là, c'est vraiment quelque chose de spécial. Ça, c'est les tasses. Sont en attente de brevet. Stampin' Up, c'est exclusif à Stampin' Up. Encore des astuces ici, comment l'utiliser. Mais, la tempe, je l'ai eu aujourd'hui. La tempe, on peut les tamper les deux côtés de la tempe. OK? On étampe une fois. Je ne sais pas s'il est bien là. Ah, je l'ai ici. Je ne l'ai pas utilisé encore parce que je les viens de l'avoir aujourd'hui. OK. Là, vous allez mettre sur un bloc. Et vous allez mettre sur un bloc, vous allez étamper. Puis, vous allez enlever, vous allez laver et vous allez virer de bord puis étamper encore. Donc, je vais avoir des exemples à faire à mon lancement de catalogue samedi le 14. Donc, ça, c'est la première fois. Oups, what happened? OK, je suis encore là. C'est la première fois qu'on a une tente, fait que la technique kissing ou baiser, on n'a pas besoin avec ça. Fait qu'on peut voir des tasses gauche à droite. J'ai une carte ici que quelqu'un a faite. Ici. Quelqu'un a utilisé les deux côtés. Tu vois, on a une à gauche puis une à droite. Super, super beau. Oups, comme ça. Super, super beau. Elle a étampé un, puis elle a étampé l'autre, elle virait à l'envers, puis salut, bonjour de la visite. Mes swaps, mes cartes d'échange sont toutes en anglais parce que j'ai fait un swap avec les Anglaises. Ils n'avaient pas en français. C'est triste, mais c'est que tu veux. On a encore des nouveaux pochoirs cette année. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'exemples. Une chose que je n'ai pas mentionnée,
Dans les lots au début, là, il y a des exemples, puis des exemples-là, tu ne trouves pas à travers le catalogue. Dans le catalogue, c'est tout d'autres exemples. Fait que j'ai pas compté comment il y en a des exemples, mais il y en a. Il y en a pour tout le monde. Ensuite, est-ce que tout est beau? Vous me suivez? Ça va partir, ça va tomber en backorder, je suis sûre et certaine. C'est le kit de calendrier d'Advent. Je l'ai commandé hier. Je devrais l'avoir la semaine prochaine. Et je vais le monter pour mon lancement de catalogue live la semaine prochaine, le 14. Si vous êtes dans la région au Saguenay, c'est ça, sur la rue Roussel à Chicoutimi-Nord. C'est en carton et on peut l'utiliser pour autre chose que les fêtes. Environ les petites boîtes à l'envers. Je vais vous le montrer quand je l'ai et quand je l'ai fait. Je vais tenir un cours là-dessus. Et si vous n'êtes pas dans la région, on peut organiser que vous avez, puis on ferait un Facebook Live pour l'assembler ensemble. Les kits sont gros, sont hot. Ces petits cartons-là, ils se plient. Ça, j'aime beaucoup ça. Habituellement, ce ne sont pas des cartons qui plient, fait que ça plie, on peut le déplier puis écrire de l'intérieur. Ça, c'est les toutes incluses. Ici, il y a un jeu de temple avec. Là, on voit les morceaux ici. C'est un jeu de temple-là, mais selon ce que j'entends dire, on n'aura pas besoin vraiment le jeu de temple. Moi, je l'ai commandé pareil parce que j'aime le motif ici, puis j'aime le petit oiseau. Donc, c'est ça. Et si vous êtes familier avec le tout est plus rose, là, qu'on a eu au printemps, ils ont mis une autre mini-collection, le plus beau de Noël, mais elle ne sera pas juste un mois. Elle va être jusque la durée du catalogue ou dès que c'est l'épuisement des stocks. Et ici, une autre collection. Je n'avais pas commandé tout de suite celle-là, mais selon des scoops, des petites rumeurs, il est déjà en bas de stock. Il commence à en manquer. Ça, c'est la collection, je dirais que ce serait le plus hot du catalogue. Donc, si vous aimez ça, j'ai les papiers que j'ai reçus aujourd'hui. Et j'étais vraiment, vraiment, mais vraiment étonnée comment ils étaient beaux les papiers. Aïe, check. Puis l'autre côté, c'est en argent. Ceux qui ont participé à l'achat groupé, là, vous allez voir des morceaux de ces papiers-là. Là. Je pense que on a un, deux, trois, chaque. Donc, vous allez voir un morceau chaque de ces papiers-là. Parce que les achats groupés sont séparés en quatre. Hey, ah, check. T'as pas besoin d'ajouter grand-chose avec ça, là. Puis, selon les scoops, là, ça va être une des choses qui va partir le plus vite par partie, mais il va tomber en backorder. On a quelques items, j'aurais dû prendre par cœur, puis je ne l'ai pas pris par cœur, qui tombera pas en pas commandable. Je sais pas si c'est un mot, ça. tu sais que des fois, quand ils tombent trop en backorder, il vire le switch, puis on n'a plus le droit de le commander. Il y a 9 articles. J'y vais le trouver, puis je vais le poster. Garde les belles cartes avec ça. Vraiment pas beaucoup à ajouter, là. Ça, cette chose-là, c'est celui-là ici. J'ai une carte ici. Je dois vous le montrer toutes mes cartes tantôt, là, mais celui-là que j'ai trouvé vraiment spécial. Je l'ai vu. Oh, regarde. Voici une carte qui est faite avec ça. Ah, ici, elle a utilisé le nouveau poudre embossée à paillettes. Très joli, ça. Oui, j'aime beaucoup. Puis ça, elle a pris le papier en argenté pour faire cette découpe-là. On voit beaucoup, beaucoup. Ça, je vais
J'ai fait un test aujourd'hui parce que je me suis dit, les Crystal Effects, j'ai quelque chose que, mais je peux pas te le montrer parce que ça paraîtrait pas sur la caméra. Faut vraiment le voir en personne. J'ai joué un petit peu avec, juste pour le fun, pour voir. J'ai mis des petits picots sur ça. Et ici, je l'ai étendu partout sur le petit ballon. Et je le vois, des petits picots dorés en dedans. OK? C'est juste le colle. Mais là, aujourd'hui, je ne peux pas te le montrer parce que je l'ai serré pour qu'elle sèche. Je l'ai agencé avec le glitter gelé. Et puis, j'ai fait un test pour voir parce que je me doutais. J'ai dit, ça doit être un peu comme le Dazzling Diamonds, le petit glitter qu'on a là. Mais pas pantoute. Ça a l'air vraiment glacé avec ça. Ça va être aussi, on va jouer avec ça samedi le 14. Pour vous donner une idée. Regarde, quand comment ça. Je sais pas si tu peux le voir. Ça donne pas de justice, là, mais je peux comprendre. C'est un petit peu plus gros. Les cristaux sont un petit peu plus gros que le Dazzling Diamond. Ça fait vraiment comme des cristaux de glace. Vraiment hot. Oui. On va voir du fun cette saison. Là, on voit les papiers en gros, mais tu n'as pas besoin de voir ça parce que je viens de montrer ma catalogue, mes papiers moi-même. Ah, ça là. Ça là. Je peux pas le montrer la carte que j'ai faite avec ça parce que mon fils vient juste d'adhérer à Facebook. Je pense pas qu'il est au courant que j'ai une page 4 et plus, mais c'est sa fête demain. Puis ce que je voudrais montrer, c'est sa carte. Et je ne voudrais pas qu'il voit en ligne. Donc, je vais m'en faire un petit vidéo avant de lui donner. Probablement tantôt avec ma caméra, je vais faire un petit vidéo. Puis, je vais le poster la semaine prochaine. Il est vraiment hot, la carte, là. Je suis vraiment fière de moi-même. C'est pas mon design. C'est une partie de mon design. Parce que j'ai comme travaillé pour changer des choses. Mais je suis vraiment, vraiment contente. Et puis là, il va voir dans mon cours à la fin du mois, j'ai une belle petite technique à le montrer à mes étudiants. Il va capoter. Donc, il reste encore de la place le mardi soir. Donc, il reste 3 places le mardi soir. Fait que si vous êtes intéressé, pigné. C'est les 4 intermédiaires, là. Le mardi soir, c'est pas un cours pour des débutantes. Les cours pour des débutantes ou des personnes qui veulent faire juste beaucoup de cartes, c'est le mercredi après-midi puis mercredi soir. Donc, celles qui ont des enfants qui font de la patin, il faudrait que je m'informe. On pourrait faire peut-être un patin d'homme là-dedans. Il faudrait que je check ça, là, parce que j'ai pas de fille qui fait de la patin, puis ça a l'air d'une patin de fille. Mais si on peut faire les patins de gars, probablement que oui, parce que si je vois le découpe là, c'est arrondi. Donc, pour mon petit joueur de hockey, ça fait en décembre. Puis ça, le Snowfront, si vous êtes familier avec le jeu au bord de l'eau. Au bord de l'eau. Je sais c'est quoi en anglais, mais le nom m'échappe en français. Au bord de l'eau, je crois. Ça va coordonner avec ça. Vous pouvez combiner les deux ensemble pour. Puis là, il donne encore des exemples ici. Ça, c'est les collections pour l'automne, pas nécessairement Noël. Et les papiers sont encore là aussi. Ça, on va le voir ça dans notre achat groupé. L'achat groupé, c'est vraiment une façon de voir un petit peu de tout. Les rubans, les papiers, les embellissements. Le papier là est vraiment beau. Puis l'autre côté, si vous n'êtes pas une personne d'Halloween comme moi, l'autre côté, c'est pas nécessairement Halloween. Ça, c'est pas Halloween pantoute. Pantoute, celle-là. C'est l'automne, là. Et puis ici, ce petit perforatrice-là,
Ah, paraît-il qu'on peut faire une petite trouille avec aussi. Puis ça, ça, je l'ai commandé par erreur. Je ne sais pas si vous l'avez écouté, mon déballage, quand j'ai ouvert ma première boîte. Je l'avais commandé ça par erreur. Je voulais commander des tasses que je vous ai montrées tout à l'heure et j'ai commandé ça. Donc, je me suis organisée avec Stampin' Up! De retourner ça et choisir autre chose. Mais je l'ai trouvé tellement cute que je l'ai gardé. Fait que faut que je l'utilise là. Je trouve ça vraiment cute. Ça, c'est très joli. Ça, je l'ai vu. Si on voit ici, là, puis c'est celui-là qui me touche, celui-là, là, vraiment. Ça ferait une carte de sympathie assez extravagante. Parle de ça, il faut que j'en fasse un, là. Et cette année, ça, c'est les collections de Halloween. Voyez ça ici, là. C'est une couronne. Et cette couronne-là est faite avec les petits cercueils, les petites boîtes de cercueils. Fait que ça, si tu as participé à chaque groupé, vous allez voir un exemple de ça. Je trouve ça vraiment cute, même si on. Il y en a qui font encore des parties d'Halloween, là. Même les adultes font des parties d'Halloween. On a fait longtemps, nous autres. Fait que ça, c'est fait des petits cadeaux pour les invités. Hein, vous décorez ça, vous mettez des petits bonbons dedans. Super le fun. Et le papier, ça, ces papiers-là, on peut découper les images avec les découpes ici. OK? Ces découpes-là, regarde, celui-là ici, là, on peut le découper celui-là. OK? Fait que j'en ai vu quelques-uns qui coupaient les images, puis. Puis là, de découpe wicked, là. Je ne sais pas si mentionne ça en français, wicked, mais cheers, oui. Donc, ça, on a les trois fêtes, OK? On a bonne entrée les classes, trop court pour avoir peur, un univers des bonbons. Ça a l'air d'être beaucoup, mais c'est une attente. Ça, c'est une attente. Ça, c'est une attente. Ça, c'est une attente. Et on coupe les trois ensemble. Donc, celle-là, c'est les fêtes entre amis, lutins. Puis ça, c'est OK. Ça va être fixé plus sur Noël. Ça, c'est fixé plus sur l'automne. Et celle-là, c'est fixé plus sur Saint-Valentin. OK? Ben, j'espère que ça va revenir dans le gros, dans l'autre catalogue parce que on a les différentes saisons, les différentes fêtes. Boo to you, c'est en anglais, mais les petites images sont vraiment mignons. Dans mon newsletter, je crois que j'ai une carte là-dedans avec qui est faite avec Boo to you. Je trouvais vraiment cute. C'est pas une carte, c'est projet 3D. Je pense. From our house to yours, ça c'est en anglais. Pour celles qui. Je sais qu'il y en a qui envoient des cartes en anglais. J'ai quelques-uns. Ici, je trouve ça vraiment beau, là. Je ne l'ai pas encore, mais cheers, peu importe si c'est en anglais, là, cheers, on dit ça en français aussi, n'est-ce pas? Et encore les couronnes. Avec, ça, c'est les découpes qui vont avec le set de verre, là. Et santé, ça va avec cheers. OK. Mon ordinateur est loin de moi. Et à la fin de la page, on a nos attentes hôtesses. Ça veut dire que les attentes hôtesses, on peut le choisir seulement si on attend 200 $. Donc, si on fait des achats à 200 $ ou si on fait un atelier, puis les ventes dans l'atelier sont atteintes à 200 $, on peut choisir les attentes hôtesses. Et les attentes hôtesses sont vraiment pas chères. Une valeur de 30 $ est à 18. OK. J'ai commandé cela aujourd'hui parce que j'ai placé une grosse commande cette semaine. Et la dernière page, c'est sûr qu'ici, on invite à joindre notre équipe, joindre la famille de Stampin' Up. Et
C'est vraiment un no-brainer, là. Je ne me rappelle plus comment la traduction, je l'ai trouvée en français, là. Mais pour 135 $, vous choisissez 165 de produits et vous ne payez pas de taxes ni livraison. Si c'est quelque chose, si tu as une grosse commande, pourquoi pas? Ici, faites la différence. Step Up travaille pour aider leur mieux pour prendre soin les uns et les autres de toutes sortes de façons. Achetez le jeu de temps Nature's Beauty pour soutenir une cause qui vous tient à cœur. Donc, pour chaque fois, on vend le jeu de temps Nature's Beauty, celle-ci ici. Stampin' Up! Remet 4 $ dans les organismes pour la santé mentale. Si vous me connaissez personnellement, vous saviez que la santé mentale me touche beaucoup. Et j'espère que je vais pouvoir aider cette cause-là en vendant beaucoup de cette étampe-là. Il va falloir que je sorte des projets pour vous le montrer comment vous pouvez le faire avec. Donc, ça, c'est vraiment le catalogue. On était en vigueur à partir de, c'était hier, le 4, jusqu'au 2 janvier, ou jusqu'à l'épuisement des stocks. Il y a certaines, après un certain temps, ils ne renouvellent pas, ils deviennent jusqu'à l'épuisement des stocks. Donc, si vous avez des coups de cœur, ne retardez pas. J'espère que vous allez partager cette vidéo. Et je le vois, tu des cœurs qui passent, des likes, des petits cœurs. OK. Et puis là, je vais vous montrer les cartes que j'ai reçues dans mes échanges de cartes. Ah oui. Bon, je vous ai montré celle-là. Je vais le sortir, par exemple, parce qu'elle a l'air assez. Ça, c'est Gentine Line. Oh oui, regarde. Oh. Oui, c'est vraiment, vraiment de toute beauté. Et il faudrait toucher ça, c'est vraiment beau. Je vais mettre. Je ne sortirai pas tout, là. Parce que, comme j'ai de la misère à la remettre. Ça, c'est. Ça, on peut le voir, celle-là. Oups. Merry Christmas, je ne sais pas si vous l'avez vu le ruban en dedans, là. Merry Christmas. Peu importe si c'est en anglais, là, je vais l'utiliser pas. Mais c'est sûr que je vais l'utiliser pareil parce que si vous ne l'avez pas deviné encore, je suis anglophone. Fait que ma famille, c'est tout en anglais. Fait que les autres, ils vont avoir ce ruban-là. Ça, on combine avec les papiers de bonhomme de neige et les tasses. Et ça, c'est le découpe, là. Ça fait un effet. Un effet embossé. Let it snow, c'est un cul de bonhomme de neige. Ça, c'est en anglais. On peut le voir en français, par exemple. Ces étampes-là sont toutes en français, là. Moi, les swaps que j'ai sont en anglais par rapport que j'ai swappé avec des Anglaises. J'aurais aimé ça swapper avec des Françaises, mais personne qui en faisait. On n'est pas chanceuse dans les swaps francophones. Merry Christmas and Happy New Year. On est allé chercher le pliroir dans les bois. Celebrate la saison. Ça, c'est encadré en dedans. C'est très joli. Elle a pris la. Oh, c'est beau, ça. OK, elle est bien. Ça, c'est le papier au début là, qu'on a vous montré, là. Les toiles traditionnelles, c'est ce papier-là. C'est vraiment beau. Pour moi, je vais être obligée de craquer puis le commander. Ça, j'ai dit que les boules, là, ça va faire fureur cette année. Elle ici, c'est Liane Grise. Je peux vous le dire aussi, là. Brenda Montesano. Cindy McLean, Linda Yamamoto,
Je l'aime, Linda, ses travails, et elle travaille très bien. Stamp with Chris, Chris Carmichael. Et celle-là, ici, c'est Maureen Houlton. Je ne sais pas s'ils ont des pages Facebook ou non, que vous pouvez vérifier leur truc, là. Et Gentle Line, je l'ai dit. Leanne Gersa, Christmas Wishes. Jacinthe Gauthier. Jacinthe est à Québec. Elle travaille très bien. Décorée. Oh, elle est faite en français, elle. Ah, oh, j'avais demandé, puis on me dit que c'était correct, mais préférée en anglais. Décorer les foyers de lumière et d'amour. Je trouve ça vraiment beau. Ah, ça, ça doit être Émilie. Bon, ils ont mis en français. Je l'avais demandé, puis on me dit en anglais. Fait que j'ai envoyé le mien en anglais. C'est encore des boules. Elle n'a pas mis de vœux, que c'est le fun. C'est encore une carte comme j'ai montré la première, là. OK, une carte, un pli original. Puis on peut mettre notre vœu, nous autres même, que j'aime ça. Marion Bright. Ça, c'est le nouveau plieroir, là. Comment est-ce qu'on appelle ce plieroir-là? Je vais te le montrer parce que je l'adore. Où est-il? Ça vient. Ici. C'est le plieroir à gaufrage 3D métal martelé. OK? Puis c'est vraiment. J'avais un. Ah, regarde. Celui-là ici, là, il a utilisé ça sur le copper, sur le cuivré, là. C'est vraiment hot. Je trouve vraiment beau. Ça, c'est Selina Murali. So glad to have you in my life. Ça, c'est un nouveau set. Puis ça, c'était par For You by Kristen Dion. Encore des globes de Noël, des boules de Noël. Avec le elle a donné un effet de cuivré là-dedans. Et ça, c'est Dana Hancock. Merry Christmas. C'est beau, ça. Oh, que j'aime ça. J'aime son tour de carte, c'est très joli. Ah, oh, pas de nom. Je ne sais pas si elle est mise à l'intérieur. Des fois, il y a... Ah, oh, oui, il y a quelque chose à l'intérieur. On va aller voir. Oh, je l'ai déchiré. Elle est restée collée. On va la coller. Elle n'a pas envoyé assez en dessous, fait que ça collait sur le plastique. Bon, et là, c'était Tracy St. Louis. Donc, Tracy, ta carte est très belle. Je vais essayer de ne pas le déchirer, là. Ah oui, regarde, c'est parce que le je vais passer mon embossing body dessus pour plus qu'à quoi. Et ça, c'est Merry Christmas de Jeannette Gauthier. De moi-même. Et cela, c'est Sophie Inc. Fait que ça, c'est mes cartes de swap. J'ai fait une carte, j'ai fait 24 pareilles à ça, et j'ai reçu 24 différentes. Donc, comme vous pouvez voir, c'est toutes des cartes qu'on peut toutes faire facilement. Il faut que ce soit des cartes vite faites, mais très belles. Parce que dans les cours, dans les classes, si on fait 8 à 10 cartes, on ne veut pas prendre... on a rien que 2 heures et demie pour faire 10 cartes. Là. Fait que, ce ne sont pas des cartes compliquées. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Je vais aller voir si vous avez des commentaires. Ça m'intéresse d'avoir vos créations. Oui, merci Pascal. Vous allez voir mes créations bientôt quand je vais commencer à jouer avec mes bébés. Et fait que ça fait le tour du catalogue. Avez-vous des questions? Super. Donc, je vous remercie de votre attention et cette vidéo va être publiée sur ma chaîne YouTube d'ici lundi.
Vous pouvez dire à tes amis, j'aimerais apprécier si vous le partagez avec vos amis. Et pour le moment, c'est mon heure de coucher. Je me lève à 5 heures le matin. Donc, je vous fais bye bye et au plaisir.